Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. J'espère que vous allez bien cette semaine. Installez-vous confortablement et nous sommes partis pour notre épisode. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 38, Madame Jennings, en allant chez sa fille, Madame Palmer, rencontra le docteur Donovan qui lui raconta que Madame John Dashwood a fait une énorme crise de nerfs en apprenant une grande nouvelle. Anne Steele a avoué à Fanny qu'Edward était engagé avec sa sœur, Lucy Steele. Dans le chapitre 39, John Dashwood vient en personne voir ses cousines pour leur raconter toute l'histoire et informa des décisions qui ont été prises contre le cher Edward. Madame Ferrar l'a déshérité et est chassée de chez elle, car il ne souhaite pas rompre ses engagements envers Lucy. Raison et sentiment, chapitre 40. Madame Clark et Jennings se promenèrent encore quelques temps. Elinor n'avait appris dans le fond que ce qu'elle avait prévu. Le mariage de Lucy et d'Edward était décidé. Le moment seulement était encore incertain. Tout dépendait de cette cure ou de ce bénéfice, et il avait peu de chances d'en trouver un tout de suite. Dès que l'amie de Madame Jennings les eut quittés, elles remontèrent en carrosse, et Madame Jennings questionna Elinor sur ce qu'elle avait su de Mademoiselle Steele. Mais Elinor, n'aimant pas à répéter des propos écoutés en fraude, se contenta de lui apprendre ce qu'elle était sûre que Lucy aurait dit elle-même, que son engagement avec Edward subsistait et leur projet d'établissement. Ce fut tout ce que Madame Jennings put obtenir. « Comment, dit-elle, ils veulent attendre pour se marier qu'il ait un bénéfice. Mais c'est de la folie, tout le monde sait avec quelle difficulté cela s'obtient. » répond Madame Jennings. Le matin suivant, Elinor reçut par la petite poste une lettre de Lucy qui contenait ce qui suit et qui était assez mal orthographiée. J'espère que ma chère Elinor s'excusera la liberté que je prends de lui écrire, mais je sais que son amitié pour moi lui fera trouver un grand plaisir à apprendre ce que je vais bientôt être heureuse avec mon cher Edward. Nous avons bien souffert, mais à présent tout va bien. Il n'est rien qui ne soit prêt à sacrifier à sa Lucie, et jamais il n'a voulu entendre parler de nous séparer quelque chose que j'ai pu lui dire. Je lui ai même offert de partir à l'instant et de ne pas revenir à Londres, qu'il ne fût marié, mais il a repoussé vivement cette idée. Il m'a juré que jamais il n'épouserait que moi et que la colère de sa mère n'était rien pour lui puisque je l'aimais et qu'il ne regretterait aucune fortune avec moi. Il va prendre les ordres incessamment et s'il peut avoir un bénéfice, ne fût-il que de 100 livres de revenus et une bonne habitation, nous vivrons très heureux. S'il était en votre pouvoir, chère Elinor, de nous recommander à ceux qui ont un bénéfice à donner, ne nous oubliez pas, je vous en prie, et parlez pour nous à Sir John, à Monsieur Palmer ou au colonel Brandon. Je suis votre très obéissante servante Lucy Steele. Dès qu'Elinor eut fini de lire, elle remit la lettre dans les mains de Madame Jennings, pensant que c'était un des buts dans lesquels elle avait été écrite. L'autre n'était pas douteux. Elle voulait jouir de son triomphe en humiliant sa rivale. Elinor se rappelait ce que la simple Anne lui avait raconté de l'entretien d'Edward et de Lucy, comme c'était lui qui l'avait pressée de rompre et qu'elle avait absolument refusé. Elle disait exactement le contraire. Cela fit de la peine à Elinor, sa seule consolation aurait été le bonheur d'Edward. Et tout lui disait qu'il était impossible. Jusqu'à cette lettre écrite d'un si très commun et dans un si mauvais esprit. Cependant, tout était décidé. C'était l'épouse d'Edward, c'était sa rivale heureuse et triomphante. Lucy dit tout à fait le contraire. Donc là, on comprend bien qu'Elinor a bien compris son jeu, qu'elle est en fait seulement sa rivale, qu'elle fera tout pour triompher et la mettre plus bas que terre. Lui rappeler qu'elle, elle a gagné, même si elle va finir la femme d'un pasteur avec très peu d'argent. Mais elle est en train de dire qu'Edward a tout fait pour la garder, qu'il était hors de question de rompre, qu'il ne l'a même jamais envisagé, alors que pas du tout. Et à la fin, elle lui demande gentiment si elle peut parler d'eux pour qu'il obtienne plus facilement un bénéfice. Elle s'embête vraiment pas, quoi. Et elle continue à servir d'Elinor. Madame Jennings, moins difficile, lisait et admirait la lettre de sa jeune parente. Très bien, très joliment tourné. Et ce qu'elle demande à Edward, très généreux en vérité. Et je ne suis pas surprise qu'il ne l'ait pas accepté. Je voudrais leur procurer un bénéfice de tout mon cœur, si c'était possible. C'est la plus jolie lettre que j'ai vue de ma vie. Elle me donne grande opinion du cœur et de l'esprit de Lucy. Quelques jours s'écoulèrent encore, sans rien amener de nouveau, qu'une impatience très vive et très naturelle à Marianne de quitter Londres. Donc, Madame Jenny, comme très gentille, comme à son habitude, qui prend vraiment tout au premier degré et ne se rend pas compte qu'il s'agit en fait de mensonges. Le message est bien envoyé à Elinor et c'est pour lui faire du mal.
Et ces tournures de phrases, en fait, c'est qu'une façon de paraître comme elle est tout à fait, c'est qu'une illusion. Et Madame Jennings, comme à son habitude, très simplée, le prend au premier degré et dit qu'elle dit même que c'est la plus jolie lettre au monde qu'elle a lue, quoi. Et étant donné que Lucie est sa parente, du coup cela en rajoute encore plus. Madame Jennings résista à l'idée de leur départ avec toute l'éloquence de sa bonne volonté et de sa tendre amitié. Mais Elinor, mettant toujours en avant la santé de Marianne, le besoin évident pour elle de respirer un air plus pur que celui de Londres et son désir d'être à la campagne. Madame Jennings fit une proposition qu'Elinor trouva très acceptable. Les Palmer devaient partir pour leur terre de Cleveland à la fin de mars, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, et Charlotte avait prié sa mère d'y venir avec ses deux jeunes amis passer la semaine de Pâques. Monsieur Palmer s'était joint aussi à sa femme pour les empresser avec beaucoup de politesse. Ses manières avaient tout à fait changé depuis que sa femme lui avait donné un fils. Il était plus tendre avec elle, plus honnête avec sa belle-mère, à qui il savait gré d'aimer aussi passionnément le petit garçon, et plus poli, plus doux en général avec tout le monde, et surtout avec les demoiselles Dashwood. Charlotte, elle-même, dans son nouvel état de mère, qui l'occupait beaucoup, était aussi devenue moins insignifiante, en sorte qu'Elinor consentit sans peine à ce projet, qui les rapprochait d'ailleurs beaucoup de Barton. Mais il fallait que Marianne le voulût aussi. Cleveland est en effet très proche du domaine de Willoughby, et à 30 miles de distance de Barton. Elinor ne pouvait pas disputer avec elle sur un sentiment, mais elle tâcha d'en réveiller un autre dans le cœur de sa sœur en lui représentant que ce serait un moyen de rejoindre plus tôt et d'une manière plus sûre et plus convenable qu'aucune autre leur chère et bonne mère qu'elle désirait si ardemment de revoir. De Cleveland, qui n'était qu'à quelques miles de Bristol, il n'y avait pas plus d'une bonne journée pour se rendre à Barton. Et Madame Palmer leur donnerait sûrement son carrosse et les accompagnerait peut-être jusqu'à Bristol, où le domestique de leur mère viendrait les prendre et les escorter jusqu'à chez elle. Marianne, réfléchissant, dit « Rien ne nous oblige à rester plus d'une semaine à Cleveland. Ainsi, dans moins de 3 semaines, nous pouvons être à notre chère chaumière. » Ce qui la décida à partir. Madame Jennings fut la plus contrariée. Elle avait espéré ramener encore ses jeunes amis chez elle en revenant de Cleveland, les garder jusqu'au temps où elles iraient chez son gendre Middleton et les reconduire elles-mêmes à leur mère. Elinor fut reconnaissante de ce projet, mais ne changea rien à leur dessein. On l'écrivit à Madame Dashwood, qui en fut très contente. Le colonel Brandon venait à peu près tous les jours. Et Madame Jennings se hâta de lui dire la résolution de ses jeunes amis d'aller à Barton, de chez les Palmer. « Que deviendrons-nous, colonel ?» lui dit-elle, « sans ces chères filles qui veulent m'abandonner. Et quand vous viendrez me voir ? Et que vous verrez leur place vide, et la bonne vieille maman Jennings seule et triste dans un coin du salon, qu'aurons-nous de mieux à faire que de bâiller ensemble et de pleurer leur absence ?» La bonne Jennings espérait que cette peinture de leur futur ennui l'amènerait enfin à parler et à offrir sa main à Elinor, dont elle le croyait fort épris. Et le colonel Brandon s'approcha d'Elinor, qui travaillait à côté de la fenêtre, à prendre la dimension d'un dessin qu'elle voulait laisser à leur amie. Madame Jennings, assise sur le sofa, était assez éloignée d'eux pour ne pas les entendre. De plus, Marianne était en train de faire du piano forte. Mais elle put remarquer que dès les premiers mots du colonel, la physionomie d'Elinor avait exprimé une grande surprise, mêlée d'une vive émotion, qu'elle avait rougi et laissé son travail. Elle entendit « de la fort ». Elle entendit qu'il lui parlait de son habitation future. En effet, le colonel Brandon exprima que la maison, quoique commode et petite, mal bâtie, j'y ferai toutes les réparations nécessaires. Il n'y avait plus de doute, Elinor devait l'habiter. Nous y voilà, pensait-elle. On ira seulement à la chaumière demander la bénédiction maternelle. Dans moins d'un mois, je la ramène ici pour faire ses emplettes de noces et en 6 semaines, tout sera fini. Un autre silence de Marianne lui permit d'entendre le colonel qui disait d'une voix très calme. Je crains que l'événement que je désire ne puisse avoir lieu de sitôt. Étonnée et choquée de ce que c'était l'amoureux qui semblait demander un délai, elle entendit Elinor. « Et moi, monsieur, j'espère au contraire qu'à présent, il n'y aura plus d'obstacles et que votre généreux sentiment aura bientôt sa récompense. »« C'est clair cela, » pensa Madame Jennings. « On pourrait peut-être trouver cela singulier. Quant à moi, j'aime cette franchise. » Mais elle fut surprise après cela de voir le colonel quitter Elinor de sang-froid et bientôt après sortir de la chambre. « Il faut convenir, » pensa-t-elle, « que le cher homme est un peu glacé. » Mais il n'est plus très jeune, et si son amour est moins ardent, il durera plus longtemps. Voici maintenant ce qui s'est passé entre eux pendant cet entretien. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle a cru. On est carrément à des millénaires.
Le colonel Brandon. J'ai entendu parler, mademoiselle, lui avait dit le colonel, de l'injustice que votre ami, monsieur Edward Ferrar, a souffert de sa famille. Si je suis bien informée, il a été entièrement repoussé par sa mère parce qu'il persévère dans ses engagements avec une jeune personne qu'il aime, dont il est aimé, dont sa mère et sa sœur faisaient beaucoup de cas et qui demeurait même chez la dernière comme une amie intime. Est-ce vrai, mademoiselle ? Oui, monsieur, répond Elinor. La cruauté et le danger de séparer deux jeunes cœurs attachés l'un à l'autre depuis longtemps, dit avec un sentiment le colonel, m'ont toujours paru une des responsabilités les plus terribles. Le malheur d'être déshérité bien léger auprès de celui qui l'attendait dans un mariage forcé et auprès des remords d'avoir manqué à sa parole. Je l'estime de sa noble résistance et je ne l'ai vu que deux ou trois fois, mais il m'a plu dès le premier moment. C'est un jeune homme plein de mérite sans aucun des ridicules et des travers si fréquents que l'on a lorsqu'on est élevé avec l'espoir d'une brillante fortune. Je m'intéresse à lui pour lui-même et parce qu'il est votre ami et je voudrais que dans ce moment fâcheux, cet intérêt puisse lui être utile. J'apprends qu'il va se faire consacrer et prendre le parti de l'Église. Voudriez-vous avoir la bonté de lui dire que le bénéfice de ma terre de Delafort se trouve heureusement vacant? J'en ai eu l'avis ces jours derniers et s'il veut bien l'accepter, je serai charmée qu'il puisse y convenir. Le dernier recteur en tirerait 200 livres par an, mais je le crois très susceptible d'amélioration. Ce n'est pas sans doute une place aussi considérable qu'il le mériterait, mais telle qu'elle est, s'il veut bien l'accepter, j'ai un grand plaisir à la lui offrir et je vous prie de l'en assurer. L'étonnement d'Elinor en recevant cette commission aurait à peine été plus grand s'il lui avait fait l'offre de sa main. Il n'y avait plus d'obstacle à son mariage et c'était elle qui était appelée à le lui apprendre, c'était en partie pour elle qu'on la lui donnait. Elle éprouvait là-dessus un tel mélange de sentiments contradictoires. Ce n'est pas étonnant que Madame Jennings ait attribué son émotion à une cause plus directe. Mais bientôt, tout sentiment personnel s'effaçait du cœur pur et noble d'Elinor. Elle ne sentait plus qu'une profonde estime, une vive reconnaissance pour le généreux colonel qui se privait lui-même de l'avantage qu'il pouvait retirer de son bénéfice pour obliger un homme intéressant et malheureux qui regardait comme l'ami d'Elinor. Elle le remercia de tout son cœur et promit de se charger de cette commission avec plaisir si réellement il préférait qu'un autre que lui-même en fût chargé. Mais elle lui fit observer que rien ne pouvait rendre cette heureuse nouvelle plus agréable à M. Ferrar que de l'apprendre de la bouche même de son bienfaiteur. Mais le colonel, par des motifs de délicatesse, parut désirer si vivement que ce fut elle qui voulut bien remplir cet office, qu'elle n'osa plus faire d'objection. Le colonel la pria encore de dire à son ami combien lui-même se trouvait heureux de s'assurer un si respectable et si bon voisinage. C'est alors qu'il dit avec l'accent du regret que la maison était petite et peu élégante et qu'Elinor lui répondit comme Madame Jennings l'avait entendu, que ce ne serait pas un obstacle. Le colonel parut surpris qu'Edouard eût l'idée de se marier d'abord. Les revenus du bénéfice de Delafort, dit-il, seraient suffisants pour un célibataire, mais pour une famille qui s'augmentera peut-être beaucoup et avec les habitudes de Monsieur Ferrar avec une jeune femme qui paraît aimer assez le monde et la parure, il semble impossible qu'il ait assez. Je le trouverai même imprudent de s'établir avec cela aussi. Je ne lui offre qu'en attendant mieux et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour lui en procurer un qui le mette à même de vivre agréablement en famille. Telles étaient les paroles par où le colonel finit, auxquelles Elinor répondit comme on l'a vu et que Madame Jenny interpréta à sa manière. La pauvre Elinor, elle est encore au plein milieu de cette histoire. Elle a un cœur tellement pur, tellement bon, et tout le monde pense que Edouard est un ami intime d'Elinor, sauf qu'ils ne savent pas ou ils ne pensent plus qu'elle est amoureuse de lui. Et par sa gentillesse et sa bonté, le colonel Brandon, qui, en fait, cette histoire fait écho à sa propre histoire, souhaite l'aider parce qu'il estime beaucoup Edouard du fait qu'il a tenu tête à sa mère, et donc il souhaite lui offrir un bénéfice. Ce que tout le monde pensait aller prendre genre 3-4 mois, en fait ça va aller extrêmement vite. Du coup, Elinor se rend compte qu'il va se marier encore plus vite. Et en plus de ça, c'est elle qui doit lui apprendre à Edouard. Donc je comprends tout à fait ses émotions contradictoires parce qu'elle est vraiment très heureuse pour lui que sa situation s'arrange, qu'il n'est plus sans rien. Mais en même temps, c'est très douloureux parce que ça veut dire qu'il va pouvoir vite se marier avec Lucie. Et en plus de ça, il faut qu'elle le revoie ou qu'elle lui envoie une lettre pour lui exprimer ce don du colonel. Donc à sa place, parce qu'il pense qu'ils sont extrêmement liés, très intimes. Et que pour Elinor, ça sera très facile de le dire. Et qu'elle en sera même très heureuse de lui confier. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis Madame Jennings, comme à son habitude, a pris les mots qui l'intéressaient, a fait sa petite histoire dans sa tête.
Et elle s'est dit, ça y est, c'est bon. Il s'est engagé, c'est parti. Bon, c'est bizarre, il est parti assez vite, mais bon, c'est peut-être sa façon de faire, alors que pas du tout. Bon, on verra par la suite comment ça se passe et si elle découvre enfin la vérité. Raison et sentiment, chapitre 41. Marianne sortit aussi et Madame Jennings en fut charmée. Il lui tardait d'être seule avec Elinor et de lui faire son compliment. « Eh bien, ma chère, je ne vous demande pas ce que vous disait le colonel, quoique sur ma parole, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas écouter. Et j'ai pu m'empêcher d'en entendre assez pour m'expliquer toute l'affaire. Je vous assure que jamais rien ne m'a fait plus de plaisir et je vous en félicite de tout mon cœur. » « Je vous remercie, madame, » dit Elinor. « C'est sûrement un grand plaisir pour moi qu'une chose que je croyais s'effectuer de bien longtemps, jamais peut-être, se soit aussi vite décidée. Peu d'hommes agiraient aussi généreusement que lui, peu fort, peu ont un aussi bon cœur, ils sont aussi désintéressés, je n'ai jamais été plus surprise. » « À quelle personne voulez-vous qui s'adressa? Qui lui convient mieux que vous? Quant à moi, je n'ai pas du tout été surprise, » dit madame Jennings. « J'y ai souvent pensé ces derniers temps, et j'étais sûre qu'il en viendrait là. » « Vous en avez jugé sûrement d'après la connaissance que vous aviez avant moi de l'humanité du colonel et d'après sa bonté, mais du moins vous ne pouviez prévoir qu'il trouverait aussitôt l'occasion de l'exercer. »« L'occasion ?» répéta madame Jennings. « Lorsqu'un homme s'est mis une chose dans la tête, l'occasion s'en trouve toujours. »« La noce suivra bientôt, je suppose, et je verrai un couple heureux s'il en fut jamais. »« Il faut l'espérer, » dit Elinor avec un triste sourire. « Vous viendrez à Delafort bientôt après, sans doute. »« Ah, ma chère, bien sûrement, et je suppose qu'il y aura place pour moi, bien que la maison soit petite, au dire du colonel, mais ne le croyez pas, je vous assure, moi, qu'elle est belle et bonne. » Elles furent interrompues par le domestique, qui vint dire que le carrosse était à la porte, et Madame Jennings, qui devait sortir, se leva pour se préparer. « Ma chère, dit-elle, il faut que je vous quitte avant de vous avoir dit la moitié de ce que je pense, mais nous en jaserons dans la soirée, où nous serons tout à fait seules. »« Aussi bien, vous devez languir d'en parler à votre sœur. » « Adieu, donc je vous laisse. »« Je lui dirai sûrement, » répondit Elinor. « Mais pour le moment, je vous prie de n'en parler à personne. » Madame Jennings eut l'air d'être un peu contrariée. « Très bien, » dit-elle, « je comprends. »« Mais Lucie, cependant, qui a eu toute confiance en vous, il me semble qu'il est juste qu'elle le sache la première, et je vais la voir ce matin. »« Non, non, madame, » dit vivement Elinor. « Surtout pas un mot à Lucie, je vous en conjure. Un délai de un jour ne sera pas bien fâcheux pour elle, et jusqu'à ce que je l'ai écrit à Monsieur Ferrard, ainsi que je l'ai promis au colonel. » Je préfère que personne ne le sache. Je vais lui écrire à l'instant. Il n'y a pas de temps à perdre pour qu'il se fasse consacrer le plus tôt possible. Madame Jennings parut d'abord surprise. Elle crut avoir saisi ce qu'Elinor voulait dire, que sans doute le premier acte ecclésiastique du nouveau pasteur Ferrard serait de bénir le mariage du colonel et d'Elinor, et qu'on voulait saisir cette occasion de lui faire un beau présent. J'entends, j'entends, dit-elle. C'est très joli, très généreux de la part du colonel, et c'est bien parce qu'Edouard est votre ami, car lui le connaît à peine. C'est là sans doute pourquoi il parlait de télé. Il me semble que ce n'est pas à vous à écrire là-dessus, à Monsieur Ferrard, le colonel aurait dû s'en charger, cela aurait mieux convenu. Pourquoi donc cela n'est-il pas convenable, madame? Comme vous le disiez, Monsieur Ferrard est mon ami, et non pas celui du colonel. Monsieur Brandon est si délicat qu'il a préféré que ce fût moi, et j'ai promis. Alors il ne faut pas commencer par le désobliger, dit Madame Jennings. « Allons, mes chevaux m'attendent et je vous laisse écrire. Je vous promets le secret pour aujourd'hui, puisque vous le voulez. Mais demain, je le dis à tout le monde, je vous en avertis. » Et elle sortit. Heureusement qu'Elinor lui a dit de garder le secret encore une seule journée. Parce que là, si tout le monde était au courant que Elinor et le colonel Brandon doivent se marier alors que pas du tout... Et en plus, elle l'a annoncé à Lucie au début, alors là, ça aurait jasé comme pas possible. Donc heureusement qu'elle a réussi de le faire dire à Madame Jennings de garder le secret encore une seule journée. Il faut vraiment qu'elle se parle et qu'elle mette les choses à plat parce que là ça ne va pas du tout. Et maintenant Madame Jennings pense même que pour leur mariage, ils ont pris comme prêtre Edouard. Du coup ils attendent en fait qu'il se fasse pasteur pour les marier. Qu'elle dit c'est très gentil de la part du colonel Brandon d'accepter alors qu'il ne le connaît pas et que c'est votre intime ami alors que pas du tout. Oh là là, notre commère va très très loin dans ses suggestions et dans ses rêves. Elinor était en train d'écrire lorsqu'elle fut interrompue dans le cours de ses pensées par quelqu'un qui entrait discrètement, et c'était celui qui en était l'objet, c'était Edouard. L'étonnement et la confusion d'Elinor furent au comble. Elle n'avait pas vu Edouard depuis que ses engagements étaient connus et qu'il savait par Lucie qu'elle en était instruite.
Tremblante, interdite, elle se leva, balbutia quelques paroles, lui offrit un siège et resta en silence. Il n'était pas moins embarrassé. Enfin, il lui demanda pardon de la manière dont il s'était introduit lui-même au salon sans se faire annoncer. « Je venais, lui dit-il, me présenter avant mon départ chez Madame Jennings et chez vous, mesdames. J'ai rencontré votre amie sur l'escalier et m'a obligé à m'empresser d'entrer en me disant que je trouvais Mademoiselle Dashwood au salon, occupée à... Enfin, que vous aviez à me confier une affaire très importante et qui me surprendrait beaucoup. Je quitte Londres demain. J'aurais été bien malheureux de partir sans prendre congé de vous et de Mademoiselle Marianne. Demain, je vais à Oxford. » Madame Jennings vous a dit la vérité, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer et j'allais vous écrire quand vous êtes entrée. Je suis chargée, monsieur, dit-elle, d'une commission qui vous sera très agréable. Le colonel Brandon, qui était ici qu'il y a au plus un quart d'heure, m'a prié de vous dire qu'ayant appris votre attention de vous faire consacrer et de suivre la carrière de l'Église, il a le plaisir de pouvoir vous offrir le bénéfice de sa terre de Delafort qui se trouve vacant et que son seul regret est qu'il ne soit pas plus considérable. Permettez-moi de vous féliciter d'avoir un ami tel que lui qui sait apprécier le mérite et que vous trouverez disposé de toute manière à vous obliger. La cure ne rapporte que 200 livres sterling, mais peu, dit-il, rendre davantage... Je joins mes vœux aux siens pour que vous en ayez dans la suite une plus avantageuse, mais dans ce moment j'espère que nous espérons qu'elle pourra vous suffire et que cet établissement s'accélérera, enfin que vous y trouverez tout le bonheur. Ce qu'Edouard éprouvait dans ce moment ne peut être rendu, mais ce n'était pas de la joie. Une surprise extrême, mêlée d'un sentiment très douloureux. Dieu, que dites-vous ? À peine puis-je croire ce que j'entends. Le colonel Brandon ? Oui, le colonel Brandon a pris le plus vif intérêt à ce qui vient de se passer dans votre famille, à la cruelle situation qui en a été la suite. Le colonel se trouve heureux de pouvoir vous donner une preuve de cette haute estime pour votre caractère et de son entière approbation de votre conduite dans cette occasion. Le colonel me donne un bénéfice à moi. Cela est-il possible ? S'écria encore Edouard. La dureté de vos parents vous a-t-elle fait croire, mon cher Edouard, que vous ne trouveriez de l'amitié nulle part ? Non, répliqua-t-il avec attendrissement. J'étais bien sûr de trouver dans votre cœur intérêt et compassion. Je suis convaincue que c'est à votre bonté seule que je dois celle du colonel. Oh, Elinor. Il s'arrêta, se leva, puis se rapprochant encore d'elle dans une émotion inexprimable. Je ne puis rien dire de ce que je sens, reprit-il en appuyant sa main sur son cœur. Mais c'est à vous que je dois tout, car c'est votre estime que j'ai voulu mériter et que peut-être j'avais mérité de perdre. Vous, Edouard, jamais. Non, non. Je vous devais plus de confiance, mais ce fatal secret n'était pas le mien seul. Et jamais, jamais je n'aurais pu. C'est par des bienfaits que vous vous vengez de ma dissimulation. Vous vous trompez, monsieur, dit Elinor en s'efforçant de cacher son émotion. Je vous assure que vous devez la protection et l'amitié du colonel Brandon à votre propre mérite et à son discernement. Je n'y ai aucune part. Je ne savais même pas qu'il eût un bénéfice dont il pût disposer. Le colonel Brandon est un homme d'un très grand mérite et qui jouit de l'estime générale. J'ai toujours entendu parler de lui avec les plus grands éloges, répond Edouard. Et plus vous le connaîtrez, plus vous trouverez qu'il mérite tout le bien qu'on vous a dit de lui. Et vous le verrez souvent car le presbytère touche presque au château, ce qui vous fera un très agréable voisinage. Edouard ne répondit rien, mais jeta sur elle un regard si triste, si sérieux, qui semblait dire que ce voisinage, loin de lui paraître agréable, serait malheureux pour lui. Il se leva immédiatement après en demandant à Elinor si la demeure du colonel n'était pas dans la rue de St. James Street. Elle répondit affirmativement et lui donna le numéro. « Il faut que j'aille lui faire les remerciements que vous ne voulez pas recevoir. » Elle lui renouvela ses vœux pour son bonheur. Il put à peine articuler « Elinor, puissiez-vous être heureuse ?» Et il disparut. « Heureuse » répéta-t-elle en soupirant. Quand je le verrai, si jamais je le revois, il sera le mari de Lucie. Des larmes remplirent ses yeux, elle resta assise à la même place, cherchant à se rappeler chaque mot qu'il avait prononcé et à comprendre ses sentiments. Lorsque Madame Jennings en rentra. « Eh bien, ma chère, vous n'avez pas eu besoin d'écrire, je vous ai envoyé le jeune homme lui-même. N'ai-je pas bien fait ? Je suppose qu'il n'y a pas eu grande difficulté et que vous l'avez trouvé tout disposé à accepter votre proposition. » Oui, sans doute, madame. Il est allé d'ici chez le colonel pour le remercier. Fort bien. Mais sera-t-il prêt bientôt ? Il ne faut pas qu'il fasse trop attendre pour le mariage. Non, bien certainement, dit Elinor. Je ne sais pas combien il lui faut de temps pour la consécration. 3 ou 4 mois, peut-être. 3 ou 4 mois ? Seigneur, ma chère, avec quelle tranquillité vous en parlez ? Croyez-vous que le colonel veuille attendre 3 ou 4 mois ?
Il aura facilement trouvé quelques ecclésiastiques qui feraient tout aussi bien et qu'on aurait pu avoir tout de suite. Sans doute, on en trouverait beaucoup, mais le seul motif du colonel Brandon est d'être utile à Monsieur Ferrar. Que le ciel me bénisse, en éclate André. Son seul motif, vous ne me persuadez pas que le colonel n'ait d'autre motif en se mariant que de donner 25 guinées à Monsieur Ferrar. L'erreur ne pouvait durer plus longtemps. Et l'explication qui eut lieu les amusa beaucoup, sans qu'il y eût rien à regretter pour l'une ou pour l'autre. « Allons, dit-elle, à la Saint-Michel, j'espère aller voir Lucie dans son presbytère et la trouver bien établie. Et qui sait encore si je ne pourrais faire d'une pierre deux coups et visiter en même temps la maîtresse du château. Car cela viendra un jour, je vous le promets, et vous serez les deux couples les plus heureux qu'il y ait jamais eu au monde. » Elinor soupira, elle était bien sûre quant à elle de ne pas avoir sa part de bonheur. Et bah comme par hasard, au moment où elle devait écrire à Edward, Edward s'est présenté à elle. D'un côté, c'est plus facile. Et puis là, au final, on voit qu'Edouard a quand même eu la bonté et le courage de venir dire au revoir à Elinor. Peut-être qu'il voulait lui dire quelque chose en particulier, on ne saura pas. En tout cas, il paraissait extrêmement triste. Et on comprend qu'il avait vraiment des sentiments pour elle. Et il est même persuadé que c'est grâce à Elinor qu'il a obtenu ce bénéfice, c'est même pas par rapport à lui ou à sa manière de faire, ou etc. Il pense que c'est vraiment grâce à Elinor. Et je pense qu'il y a quand même une partie que ça vient du fait qu'Elinor soit déjà amie avec lui et que Elinor est très, très respectable, ce qui a décidé encore davantage le colonel Brandon à lui donner. Et enfin, quand Madame Jennings revient de sa sortie, donc elle est toute fière d'avoir fait entrer Edouard au moment même où elle était, où Elinor était en train d'écrire la lettre. Et après une longue discussion, enfin elle arrive au point que tout le monde attend, qu'elle est persuadée que le colonel n'ait d'autre motif qu'en se mariant que de donner 25 guinées à Monsieur Ferrar. Et là c'est là qu'Elinor a dû dire « Le mariage du colonel, comment ça? Je ne comprends pas. » Ça va, l'erreur n'a pas duré trop longtemps, Madame Jennings n'a pas eu le temps d'en parler à tout le monde. Heureusement d'ailleurs, parce que là j'imagine les histoires que ça aurait fait. Mais dans tous les cas, Madame Jennings espère qu'il y aura un mariage entre Elinor et le colonel Brandon. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y avait des chapitres avant où je pensais qu'ils finiraient bien tous les deux ensemble. Mais je pense qu'il est encore amoureux de Marianne. Je ne sais pas comment va finir l'histoire, s'ils vont finir ensemble. Est-ce que Edouard va vraiment épouser Lucie jusqu'au dernier moment? Ou est-ce qu'au dernier moment, il va se dire « Non, en fait, j'aime trop Elinor, je peux pas faire ça. De toute façon, ma vie, elle est fichue. Je suis déjà déshéritée, donc au point j'en suis. Voilà, quoi. » Je ne sais pas du tout. J'ai hâte de savoir la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.